J'ai mis tout un hiver à en être. Offre-nous une meilleure vue, mon ami. جاورنا أولئك الميكانيين، إنهم لطفاء للغاية. تزوج الهن مؤخرا، وعندما رأونا ماذا حدث؟ J'ai besoin de ta vue, mon ami. Malade. Inquiétez-vous de son bien-être. Le calife vous incite à consulter le nouvel ouvrage de Sher Harani, qui dresse de médecine impossible. Faites venir de l'aide. Il faut livrer le tueur à la justice. Écoutez-moi, habitant de Bagdad. Le maître ne risque pas de bouger, il a une nouvelle concubine. Alors on aura peut-être un peu de temps pour nous. Je crains de ne pas pouvoir rester éveillé encore bien longtemps. Si tu veux.
veux mon avis, le harem du calife est dépravé. Est-ce que c'est moi ou... Tu vois toi aussi des silhouettes du coin de l'œil. On dirait des hommes en robe. La Chourta cherche à salir la noblesse de mon nom. Accepte ceci en témoignage de mon innocence. Écoutez, habitants de Bagdad, j'ai le plaisir de vous apprendre que les rumeurs à propos d'un certain bandit étaient très exagérées. Cette menace n'existe pas et n'a jamais existé. Estimés visiteurs de Bagdad, avez-vous soif de connaissance ? Êtes-vous avide de découverte ? Alors, ne manquez pas de visiter la maison de la sagesse, où Cheikh El-Hazi vous trouvera sur la bariole. Doivent déposer leur candidature à la maison de la sagesse. Ah, quoi ? أراهن على تسلق شجرة الصفصاف القديمة أسرع منه. علمني الحياكة قريبا ولن لا يهم إني أعتقد أنه فقد صوابه عند كتابته. Je t'ai dit que Wajdi nous a réclamé pour l'escorte. Vos maisons bien chauffées et confortables.
خبر Tendez l'oreille, voyageurs et visiteurs. Le calife est ravi de vous accueillir dans la ville de Bagdad. Vous trouverez au bazar les délices les plus exquis, des marchands exotiques fraîchement arrivés d'Extrême-Orient, aux succulentes dattes et autres pires de notre région. Montre-moi le chemin. Observe bien, Enkidu. Peut-être qu'il est à l'abri quelque part, qu'il s'est perdu. Non, il est mort. Je n'ai pas pu ramasser de fleurs pour les funérailles de mon mari. Et maintenant, je n'ai plus de fils. Je dois être au bon... pardonne-moi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Mes excuses, je ne voulais pas te surprendre. L'homme de la maison de thé m'a parlé de tes tourments. Peut-être puis-je t'aider? Je vois mal comment. Je ne te connais pas. Tu as besoin de fleurs pour les funérailles de ton époux. J'ai moi aussi perdu des proches, et sans pouvoir les enterrer. Ce serait un honneur si tu me laissais faire pour toi ce que je n'ai pu faire pour mes amis. Je vais te trouver des fleurs. Mon mari m'apportait souvent du poléo blanc. Si tu en trouves, je les laisserai sur sa tombe après l'enterrement, en guise de dernier présent. Alors compte sur moi.